Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben nous de notre côté, écoute, on se réveille avec cette vue. Donc autant vous dire que c'est agréable et que c'est magnifique à voir. Et on va aller au petit-déj. Ça va? C'est tu vas aller prendre un bon petit-déj? Boire le lait au chocolat. Oui, mon cœur vient au bord du lait au chocolat et les céréales. Bon, ben, autant vous dire que ce breakfast m'a l'air d'être extra. Je vais vous montrer un petit peu. Regardez-moi toutes ces petites merveilles. Là, je vois des petits muffins au Nutella. Enfin, cruffins, je ne sais même pas ce que c'est. Franchement, ça donne envie. Hein. Oh là là, ça aussi, banana et Nutella danish. Waouh! Magnifique. De l'autre côté aussi. J'ai envie de pleurer de moi. Avec peine perdue, croissant. Voilà, regardez-moi celle-là. Regardez-moi toujours impatiente. Voilà, tiens. Sa petite gomme. Coin salé. Plein de petites brioches, burrata, saumon, bresaola. Même ces œufs-là, ils ont l'air trop bons. La turque un peu. Les mini jus de fruits pour mes amours. Buvez des vitamines. One for mommy. One for you. Me donne un peu de céréales là. Non, non, non. Super bon, hein. Alors écoutez, j'ai toujours vu ça sur les réseaux, du coup je vais me boire un shot. Là c'est carotte, gingembre. Et là c'est céleri, épinard et concombre. Du coup c'est juste histoire un petit peu de me dire que j'ai pris un truc healthy ce matin. Contrairement à certains. Pourquoi tu te fais du mal à boire ça? Bois de la wifi, c'est pareil, ou du Bluetooth. Bref, je vais boire. Je sais que je vais pas aimer, mais allez, on se force, c'est pour la santé, ça fait du bien au corps. Bon, petit cheveux de Frenelle. Je vais commencer avec plaisir. Moi, c'est pas un plaisir, mais je vais commencer par peut-être celui-là. Épinard, concombre et céleri. Oh, l'odeur. Bah, j'ai une soupe, c'est pareil. Mais c'est pas mauvais. C'est pas ouf ouf, mais c'est pas mauvais. Vous le reconnaîtrez tout de suite à sa grosse main. Vers la tête à partir, quand elle se rappela autre chose, elle se tourna vers ses cheveux. Tu as l'arrière de l'épinard là. Celui-là, je pense que je vais vraiment pas aimer, parce que déjà la carotte, c'est pas dans une sauce, j'aime pas. On passe donc à ce shot. Et vous savez pourquoi je les bois en fait? Parce qu'à la base, moi je bois le thé au Harry. Et là, je sais que je vais pas le boire pendant 3 jours, parce que j'ai oublié le sachet à la maison. Donc pour ma conscience, je me dis, je vais essayer de me, entre guillemets, détoxifier comme je peux. Voilà. Donc le thé c'est meilleur parce que ça a le goût de la tisane. Là c'est pas ouf. Mais allez, je me force. Arrête de me filmer. Nono, il me filme en train. Genre, c'est un truc de fou que je fais. Ah oui, t'as raison, mange des croissants au Nutella. Oui, ça commence comme ça et ça finit par des repas vegan. Il a peur que je lui cuisine du tofu à la sauce soja, c'est ça? Avec du yuzu. Avec du yuzu. Ça j'aime pas, mais bon, c'est bon pour le teint apparemment, la carotte, parce que bronzé. Il y a ça qui est bon peut-être la connerie. Ses pattes étaient maintenant toutes blanches. Ben voilà, carotte, gingembre et épinard, céleri, concombre. Et puis ben écoutez, je me sens bien, tu vois. Parce que j'aime mon mari, vous savez que Noré c'est l'amour de toute ma vie. Et je veux qu'il vive le plus longtemps possible auprès de moi. Même si là je sais qu'il est en PLS. Elle me dirait un truc, je pense. Choisis le vert ou le orange? Le vert. Il commence à me critiquer. S'il te plaît, fais-moi plaisir, Nono. Voilà, on a plus 20 ans et tout. Faire attention à notre organisme. Il est en PLS. Hi. Et donc, du coup, je vais lui prendre. Voilà. Spinach, concombre et céleri. Je vais vous le filmer en live. Hein. Se moquer de moi? Non, réellement, en plus on en délire, mais c'est bon pour la santé. Tiens, mon cher étendu. Je t'en prie. Et ça et tout, quand vous... Allez, vas-y.
te jure que ça passe en vrai. Là, on se dit que c'est bizarre, mais regarde. En vrai, ça passe. Non, je m'attends à pire. Je t'attendais à pire, ouais. Voilà. Allez, one shot. C'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais que ça. Franchement, non. Mais parce que je me suis conditionné. Moi, j'ai pas de palais. Avec les goûts, c'est compliqué. Ouais, faut que ce soit vraiment fort pour que je reconnaisse c'est quoi. Donc là, tu bois un smoothie ananas fraise. Non, pour moi, c'est menthe orange. Bon, bah, tant mieux. Ouais. Allez, finis-le. Bravo. Je suis fière de moi. Et là, donc, du coup, je suis censé me sentir comment? Tu es censé te sentir léger, détoxifié et purifié. Et en tout cas, ça va te donner de l'énergie. Je vous promets rien de tout ça. J'ai toujours le goût du poisson, du Nutella, des œufs, rien de tout ça. Par contre, un truc que j'aime beaucoup, c'est les graines de chia, de cheese. De chiasse. Non. Les graines de chiasse. Les graines de chia. Ça, c'est excellent. De cidre. Bon, j'espère que je dis bien. Elle est devenue aussi. En tout cas, non, ça par contre, pour le coup, j'aime beaucoup. Du maman, tu aimes. Et là, en plus, c'est à la mangue et au yaourt. Adrien, du maman, tu aimes. C'est ce que j'aime. Adrien, maman, tu vas manger des graines de chicha. C'est dans la merde, Adrien. C'est délicieux. Non, non, il me fait rire. Mais Adria, à table. Allez, c'est pour toi si t'as cette bide. J'ai été vérifiée sur Google au cas où et c'est des graines de chia. Et vous savez ce que je viens de décider? Il ne faut plus qu'il me regarde. Demain, je me ferai un petit déj un petit peu healthy. Avec ce genre de choses. Bon. Avec. Il est temps de rétablir la vérité. Je vous promets qu'elle a tapé dans tout ce qu'il y avait dans le buffet. Croissant, feuilleté, Nutella, pancakes, cheesecake. Elle a mangé de tout, sucré, salé. Et à la fin, pour la conscience, elle se dit, allez, on va prendre du chicha et on va prendre un peu d'épinard, je sais pas quoi, mélanger. Écoutez pas, hein. Je vous promets que c'est juste pour sa conscience qu'elle fait ça. Viens, 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 maman, pour rétablir mon Adrien. Voilà, Adrien, regarde ce que tu vas manger. Voilà, tiens. Écoute, maman. Elle me pousse toujours. Viens, viens, j'aurais dégoûté, lui. Allez, allez, maman. Viens avec papa, maman. Attends, attends, t'as mis ici, viens ici, viens. Non, non, ça y est, tu vois. Noré, goûte. Elle, elle veut qu'on tourne, plonge avec elle dans ses délires. Non, 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 non. Mais arrête, c'est quoi ça? C'est excellent. Arrête, on dirait les œufs de l'homme avec du yaourt. Mais tu es malade. Mais il est fou. Il est vraiment fou. Adria, tu reviens un petit peu, mon cœur? Ah ben. Non, ma fille, chef, ma fille. Chef, ma fille. Tu es mon amour. Tu te tais. Ne te plains pas quand tu n'as rien à voir dans l'assiette. Hein. Voilà, mon bébé. On mange sain avec maman. Voilà. Kenan, tu veux des graines de chia, mon amour? Concours exceptionnel. J'avoue que c'est la surprise du dimanche. Pouvoir gagner sa robe de mariée ou sa robe de soirée, c'est, je trouve, un luxe. Voilà. Et le cadeau là, c'est Viosa qui a décidé de vous l'offrir en vous gâtant. Viosa, pour la petite histoire, c'est celle qui m'avait réalisé ma robe sur mesure pour les 1 an de Gigi. Et elle avait d'ailleurs confectionné sa robe aussi à Adria avec les plumes. Si vous vous rappelez, c'était nos robes roses. Et depuis, bah, c'est une personne qui est rentrée dans mon cœur. Parce que c'est un amour, cette femme, vraiment, elle est adorable. Et elle propose des robes, donc des robes de mariée, des robes de soirée. À la base, elle fait de la location, mais aussi de la création sur mesure. Si vous êtes intéressé également en parallèle pour avoir une robe de mariée chez elle, par exemple, ou une robe de soirée. D'autant que sa signature, c'est son pays, le Kosovo. Et le Kosovo, c'est quand même le pays le plus réputé pour les créations de robes. Les plus grands créateurs viennent de là-bas, les inspirations viennent de là-bas. C'est juste des robes qui sont magnifiques et c'est vraiment du grand luxe aussi. Donc c'est sa signature puisqu'elle vient de là-bas, Viosa, et elle propose justement des robes de malade. Clairement, c'est des robes qui sont canon. Bon, l'année dernière, le modèle qu'elle m'avait fait pour les 1 an d'Adria, c'est un modèle d'ailleurs qui vous avait beaucoup plu. Donc sachez qu'elle propose de la création sur mesure, elle fait également de la location de robes. Si vous n'avez pas forcément le budget pour acheter une robe, elle propose de la location. Elle l'envoie partout dans le monde, donc elle livre vraiment partout dans le monde. Et si vous préférez plutôt avoir votre propre robe, sachez qu'elle est sur des délais de création qui sont de 1 à 3 semaines. Donc franchement, c'est hyper raisonnable parce que souvent, c'est beaucoup plus long. Et je sais de quoi je parle, mais du coup, vraiment, elle est top, quoi. C'est une femme qui est topissime. Et là, je trouve qu'elle vous gâte en vous proposant ce concours qui est incroyable.
Donc pour y participer, pour les mariés, les futurs mariés, les copines, etc., ou celles qui veulent avoir une bête de robe de soirée pour une fête, vous vous abonnez simplement à sa page Instagram. C'est tout. Voilà, je vous ai partagé également son Snap pour vous montrer un petit peu toutes les tenues qu'elle propose. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur son Snap et l'ajouter aussi. Mais c'est sur Instagram que le concours se passe. Et ça ne vous coûte rien. Vous n'avez qu'à cliquer, vous identifiez vos copines, mettez plein de commentaires, au moins ça maximise vos chances. Donc voilà pour la petite surprise du dimanche. Enfin petite, pour la grosse surprise du dimanche même. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se marient. J'ai vu là vos messages quand je vous ai posé la question. Donc justement, si vous vous mariez cette année ou même l'année prochaine, l'année d'après, mais que vous voulez anticiper, ou si vous êtes invité, que vous avez soit un mariage, soit un événement, ou peu importe, une grande occasion et que vous voulez porter une belle robe de soirée aussi, participer à ce concours. Et surtout la valeur des robes. La robe de mariée, elle va jusqu'à 4 000 €. Donc c'est un budget. La robe de soirée jusqu'à 1 500 €. Donc je vous laisse imaginer les pièces de qualité et les pépites que ça va être. Du coup, voilà, je vous ai partagé toutes les infos concernant ce concours et je sais que ça va vous faire plaisir. Et en plus de ça, voilà, on sait qu'un mariage, ça coûte cher. Les robes, ça coûte cher. Donc là, je pense que ben, ça va... Les gagnantes en tout cas, puisqu'il y a deux gagnantes en plus, il n'y en a pas qu'une. Ça vous fera vraiment, je pense, plaisir et ça vous enlèvera surtout un gros souci de vous dire où je trouve ma robe, comment je réunis le budget et vers qui je me retourne. Au moins, voilà, c'est toujours ça de fait. Et puis, ben, je vous laisse y participer. Je vous souhaite bonne chance. On va profiter de la piscine et de la mer. Il est tôt là, donc on va aller piquer une petite tête à la mer. Et après, on va se poser à la piscine. C'est pas bien ce qu'on va dire. Mais c'est que dans ces moments-là qu'on trouve... On trouve le repos. Le repos, donc on en profite. Allez. Voilà, bisous. Pasta. D'ailleurs, je l'ai lui enlevé de devant parce qu'elle a fait carnage, elle en a mis partout. Kenan, il mange un peu plus proprement. Et non, pas de bagarre, s'il vous plaît. Adrien. Bon, l'embrouille est terminée. Bon, t'as deux doigts d'une grosse dispute. Hein. En ce moment, c'est que ça. Je sais pas si vos enfants aussi, les enfants rapprochés, c'est embrouille du matin au soir. Alors, ils sont inséparables. Ça veut dire que quand on gronde Adrien, Kenan, il est pas content et vice versa. Mais les deux. Oh! Wow, génial, le t-shirt blanc. Trop bien. Didi, on essaie de manger un peu plus proprement, s'il te plaît. On va essayer. C'est des bonbons. Oh là là. Évidemment, il n'est pas seul à manger.